Ils ont été abandonnés par leurs propres parents. Oui, par leurs propres parents. Ces parents ont pris ce qu'on peut appeler une décision lâche, de laisser leurs enfants sans personne d'autre, juste à cause de la pauvreté et le handicap de l'autre, et ils sont partis. Ils n'ont jamais voulu voir ces garçons devant eux. Ils n'ont même pas laissé quelqu'un pour s'occuper d'eux, alors que l'un était handicapé et l'autre était très jeune. La dernière fois que nous avons rendu visite à cette famille, Joseph, le plus jeune, était considéré comme l'aîné parce qu'il assumait toutes les charges, y compris celle de s'occuper de son frère et de le nourrir. Il nous a brièvement raconté comment était la situation. Un des problèmes quotidiens que Joseph a souligné est que pour lui, obtenir de la nourriture était une grande épreuve qu'il doit passer chaque jour. La plupart du temps, ils dépendent des voisins qui leur apportent des repas, mais bien sûr, ce n'était pas tous les jours. C'était notre première visite à ses frères et aujourd'hui, nous retournons dans leur famille parce que nous sommes habitués au fait que quiconque nous rencontrons devienne automatiquement un membre de notre famille. Nous nous occupons toujours d'eux et prenons régulièrement de leurs nouvelles. Il dit que notre première visite a été un don de Dieu parce que leur vie a complètement changé après cela. Alex dit qu'au moment où nous avons partagé leur histoire, c'est le moment où les bénédictions ont commencé à fleurir sur eux. Beaucoup de gens les ont contactés, beaucoup de gens se sont souciés d'eux et ont voulu en savoir plus sur leur vie, leur ont demandé de quoi ils avaient besoin et ce faisant, il leur a envoyé du soutien. Et c'est pourquoi ils sont si heureux aujourd'hui. Mais pour Alex, il était bien avant heureux dans cette situation. Il est toujours content et il chante depuis qu'il est né handicapé et ne peut plus du tout bouger. Cela ne l'empêche pas d'apprécier le don de la vie qu'il a en rassemblant les enfants et en chantant pour eux, ce qui ressemble pour lui à une chorale. Il chante toujours quoi qu'il arrive et cela renforce toujours sa confiance malgré une vie difficile que personne ne peut souhaiter avoir. La dernière fois, il a dit qu'en raison du fait qu'il n'a pas la capacité de changer ce qui se passe, il était d'accord avec cela et c'est la raison pour laquelle il ne s'inquiète que d'une chose, son avenir. Il dit qu'il n'a jamais été à l'hôpital parce que même quand ses parents étaient encore là, ils n'ont jamais eu l'argent pour l'amener à l'hôpital. Il a donc choisi de faire deux choses, chanter et prier. Alex ne peut pas porter de chemise ou même de pantalon parce qu'il ne peut tout simplement pas se contrôler. Et c'est pourquoi son jeune frère Joseph met toujours une bêche sous la chaise pour que quand Alex urine ou défecte, il puisse facilement les nettoyer aussi vite que possible. Sans tourner autour du pot, nous sommes ici pour vous donner l'argent contribué grâce à la cagnotte que nous avons ouverte et aujourd'hui, nous avons retiré tous les fonds collectés pour vous les remettre. Il dit qu'il est si reconnaissant parce que ce que vous avez fait pour lui, c'est une bénédiction à laquelle il ne s'est jamais attendu. Il est si reconnaissant pour ce que vous avez fait pour lui. C'est une bénédiction à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il vous bénit pour votre générosité. Nous sommes si reconnaissants pour votre soutien. Alex dit qu'il ne vous remerciera jamais assez pour votre aide. Vous n'êtes rien de moins qu'une bénédiction de Dieu. Il dit que s'il avait des jambes en état de marcher, il se lèverait et danserait pour vous remercier. Mais malheureusement, ses jambes sont handicapées. Après avoir reçu cette somme d'argent, il dit qu'il va d'abord reconstruire leur maison, car cela fait longtemps que cette maison n'a pas été retouchée. Elle pourra s'effondrer d'un jour à l'autre, alors que c'est tout ce qu'ils ont. Après avoir reconstruit la maison, une petite entreprise qui leur permettra de continuer à vivre. En tant que personne qui croit en Dieu, il prend ses temps en priant.
Tu m'as donné et tu continues de me bénir avec ta volonté. Elle est plus grande que l'amour des amis et de la famille, parce que tu m'as béni avec ce que les parents ou même les amis ne m'auraient pas donné. Aide-moi à suivre ta sainte volonté dans le futur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Joseph, le frère, le père et le gardien d'Alex, dit qu'il a maintenant beaucoup de raisons de sourire. Il dit qu'après notre visite, les gens leur ont tendu la main et leur ont donné beaucoup d'argent et beaucoup de nourriture. La première chose qu'ils ont faite a été d'embaucher quelqu'un qui puisse s'occuper de toutes leurs activités à la maison. Et Joseph, lui, doit continuer à prendre soin de son frère. La femme qui s'occupe de tout dont ils ont besoin, y compris la cuisine, la lessive et beaucoup d'autres choses, rentre chez elle le soir et retourne travailler le lendemain matin. Il dit que c'est trop lourd à porter pour lui et aujourd'hui, il est simplement reconnaissant. Il remercie toute l'équipe à Fumax de leur avoir rendu visite, même si au début, ils n'ont jamais pensé que le résultat les rendrait aussi heureux qu'ils le sont aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Nous voulons vous exprimer notre sincère gratitude pour vos efforts constants pour rendre les gens heureux. Prenez l'habitude de dire merci aux gens pour exprimer sa reconnaissance et sans rien attendre en retour est la meilleure chose à faire. Appréciez ce que vous avez autour de vous et vous trouverez bientôt d'autres autour de vous. Appréciez vraiment la vie et vous trouverez plus que ce que vous en avez. Merci d'avoir regardé, je suis Beckham et voici Afumax Français. N'oubliez pas de vous abonner, à la prochaine.